Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous bien. Je suis en France à Pontarlier pour les soldes. Oui, je sais, j'ai 3 jours de retard, mais j'ai pas pu les faire le jour J. Bon, je vais quand même aller voir ce qui reste. Ouais, je pense qu'il n'y a plus rien. Bon, on verra bien. J'ai plusieurs magasins, j'ai Leclerc, Hyper U. Enfin, Hyper U, je sais pas s'il y a beaucoup de choses. Casino, il n'y a rien normalement. Et puis, il y a la Fnac. Bon, allez, je verrai bien. Allez, à toutes.
ça, c'est les nouveaux jeux là. Bah, il y a Hogwarts Legacy, regarde. Tu veux vraiment ça? De quoi? Regarde ce que tu veux. Il y a quoi? Je veux pas qu'on joue. Oh, une piste. Oh oui. Motor Swift. Non, tu veux pas. Non, je veux pas. C'est le DC. Anissé, j'ai dit que c'est rajouté, ça va être minimum 10 euros. Minimum ou maximum? Maman, en plus on achète une manette. Ah non, mais il y en a deux, ça. Ça rien pour le bon. Mais tu peux prendre un jeu de PS4 hein. Non. Mais si. Si, c'est les mêmes boîtes. Regarde bien, c'est les mêmes boîtes. C'est juste que ça passe en blanc. Bon, alors on part sur Minecraft. Mais que demain que. Mais hey, pourquoi tu veux tout le temps Goldorak toi? Non. Bon, voilà, Leclerc et Hyper-U, c'est fait. Alors, Leclerc, quelques jeux DS, vers les 10 euros, malheureusement, c'était pas 5 euros. Dommage, il y avait Resident Evil, il y avait Metroid Fédération. Hein. Dommage, c'est un peu dommage qu'il n'y avait pas l'autre. Et puis, Hyper-U, super content. Alors, rien au niveau des jeux vidéo, mais des petites figurines manga, là, je suis très très content. Donc maintenant la Fnac. Bon, je m'attends à rien, mais on verra bien. Thank you.
Bon, voilà. La FNAC, bon, apparemment, ils ont un peu décidé, d'après ce que j'ai vu, de plus prendre, de pas trop mettre de jeux vidéo. Le rayon est vachement plus petit que comparé à ce que j'ai vu les autres années. Ils ont mis que beaucoup plus de vinyle et beaucoup plus de CD, CD audio. Bon, CD, est-ce que ça marche encore? Aucune idée. Vinyle, d'accord, là je comprends. Mais CD audio, ouais, jeux vidéo, il n'y a pas. Ouais, non, il n'y avait rien. Il y avait pas mal de pop à 30, 50, 70%. Ça valait la peine. Franchement, ça valait la peine. Mais il n'y avait pas les personnages que je voulais. Oui, il y en avait une. Mais c'était que à 30%. Donc, non, pas pour moi. Et. Putain, il y a beaucoup de. Voilà. Et puis, j'ai quand même trouvé quelque chose à la FNAC. Je suis quand même content. Un petit vinyle. Franchement, là, je suis content. Il y en avait pas mal, mais bon, les prix sont pas à 10 euros, évidemment. C'est un peu dommage. Mais bon, vous verrez ça. Allez, à tout. J'espère que ce petit live vous a plu. Alors, vous avez vu comme moi qu'il restait vraiment pas grand-chose. Évidemment, 3 jours après, ben voilà, c'est comme ça. Mais bon, j'ai quand même trouvé mon petit bonheur. Alors, on commence tout de suite par ça. Alors, le Resident Evil Révélation sur 3DS. Super content de l'avoir trouvé. Yes, il est en full français. Cet épisode-là, il est aussi sorti sur PlayStation 3 et puis je crois qu'il est sorti sur la Wii U aussi. Donc voilà. Mais il est déjà sorti de base sur la 3DS. Voilà. Alors, j'ai complètement zappé mon ticket de caisse. En fait, je les ai tous zappés, les tickets de caisse. Ouais, je sais pas où ils sont. Attends que non, attends. Ça, c'est le ticket de caisse de la FNAC. Non, mais non, c'est autre chose. Donc, voilà, j'ai complètement zappé le ticket de caisse. Alors, je sais pas du tout à combien il était de base, mais si je me rappelle bien, je l'ai payé, moi, à 13 euros. En fait, il n'y avait rien qui était dessus marqué le prix des soldes. Il fallait juste scanner le code barre et puis ça nous donnait vraiment le prix. Donc, voilà. 13 euros, pour moi, ça va très bien. C'est à peu près vers la limite. J'aurais préféré que ce soit à 5 euros, 3 euros, mais bon, c'est comme ça. Ouais. Révélation. En autre Resident Evil, Resident Evil The Mercenary. Aussi est celui-là 3DS, super content. Alors je l'avais déjà, mais là je le rentre sous blibli, donc il va rester sous blibli. Ça sera pour la collection. Il est aussi en full français. Alors c'est pas une histoire là comparé au précédent, c'est plutôt des jeux de cop ou ouais. En fait, tu dois battre, tu dois, comment dire, abattre plus, le plus d'ennemis possible. T'as plusieurs, tu peux incarner plusieurs personnages de la saga Resident Evil, Chris, Claire, Hank. Alors, ça c'était marqué. De base, il était à 44 euros. Bon, je pense que c'était le prix quand il sortait à l'époque. Et je crois qu'il était aussi vers les 13 euros. Donc, voilà. Donc, super content. Là, je suis ultra content. C'est le Metroid Federation Force. Je ne l'avais pas du tout celui-là. Il sera de toute façon pour la collection, pour ma collection. en full français. Ah bon, Metroid, vous connaissez tous la licence. Alors. Cet épisode-là,
on n'incarne pas l'héroïne principale, Samus, incarne des autres personnages. On peut jouer en coop, apparemment. Voilà. Bien sûr, c'est la même en vue FPS, évidemment. Évidemment, c'est en vue FPS. Je connaissais pas, j'ai jamais fait. Apparemment, il a pas beaucoup plu cet épisode, apparemment, d'après ce que j'ai entendu. Voilà. Mais super content de l'avoir rentré. Alors, au cas où, j'en ai pris deux. Si quelqu'un le veut, pour un échange, il n'y a pas de souci. Leclerc, c'est terminé. Maintenant, Hyper-U. Alors là, je suis ultra content. Parce que, alors, niveau jeu vidéo, j'ai rien trouvé. Mais j'ai trouvé niveau figurine. Je suis trois figurines, ultra content. Alors déjà, une figurine de Sword Art Online. Voilà, la toute première. Alors, je connais pas du tout le personnage, rien du tout. Je pense que Jesse Draven doit connaître par cœur ce personnage. Si, alors, je pense que tu peux mettre en commentaire si c'est un personnage important ou pas. Super content. Alors, c'est pas marqué. Non plus, j'ai pas le ticket. C'est pas marqué combien il coûte de pas. Mais je crois que ça doit coûter vers ces figurines-là, vers les 30 euros, je crois, un peu plus, peut-être. Corrigez-moi si je dis n'importe quoi. 12 euros. Donc, j'ai vu ça. J'ai dit, bon, j'achète tout de suite. Là, j'ai tout de suite pris. Franchement, elle est super jolie. Je vais de toute façon la déballer plus tard. Là, on va poser ça. Ça, c'est la première. La deuxième, yes, aussi ultra content. Elle est magnifique, celle-là. Alors ça, c'est de la série Fate Grand Under. Que j'ai jamais lu ou j'ai jamais regardé une seule série d'anime de cette licence-là. Mais c'est ultra connu. Alors, je sais pas du tout... Je mettrai quelques extraits d'anime si j'en trouve de ce personnage là. Mais franchement, elle est magnifique. Franchement, elle est magnifique. Et la troisième figurine, elle est aussi magnifique. Voilà. Super, super. Franchement. How can you possibly have pride as the beloved knight of King Arthur? Aussi de la série Fate Grand Under. Aussi à 12 euros. Super content. Elle est classe. Franchement, elle est classe. Elle est classe. Je vais les monter après. Et je vous ferai une photo à la fin. Donc, ça, c'est terminé. Bon, maintenant, la FNAC. Alors, niveau jeu vidéo, il n'y avait rien du tout. Franchement, il n'y avait rien du tout. Il y avait beaucoup de pop à un bon pourcentage, mais il n'y avait pas du tout ceci que je voulais. Mais j'ai été voir les vinyles et là, j'ai trouvé ce vinyle-là. Franchement, super content de le jeu Horizon Dawn, numéro 2. J'espère que vous voyez bien, voilà. Ultra content, voilà. Bon, ça, c'est à cause de Thierry et la salle de jeu de Perry. Maintenant qu'on voit, il nous montre ce qu'il achète, on fait la même chose. Voilà. Non, mais pour plaisanter, mais voilà. Franchement, je vois ça, j'ai dit, c'est magnifique. Il y avait plusieurs vinyles, il y avait aussi Cobra, la série animée. Mais alors, il n'y avait pas le prix. Oui, j'ai demandé le prix du vinyle de Cobra. Alors, il était à 50 euros, mais de base, il était à 70 euros, 70 euros. Ça pique un petit peu. Donc là, il est à 32 euros. Et puis de base, il est à 43 euros. Donc, ça fait quand même 10 euros, 12 euros, 11 euros, 11 euros. 11 euros de réduc. On va quand même... Alors, j'ai pas encore de platine. Mais on va quand même. A few moments later. Alors voilà.
quand même vous montrer. Bon, ça, je pense que la série, les jeux, vous connaissez tous, il n'y a pas de souci. Alors, horreur, comment c'est. Ah ouais, c'est magnifique. C'est magnifique. Ces dessins comme ça, c'est. Je vous montre. Alors, j'espère que vous voyez bien. Voilà, comme ça. Franchement, c'est magnifique. C'est magnifique. Les couleurs. C'est grandiose. Alors. Alors, tac, tac. Et puis ça, il doit avoir quoi dedans? Alors, tout de suite. Ouais, il y a le vinyle là. Voilà, je veux pas trop toucher. Mais voilà. Le vinyle est ici. Alors, on va le remettre gentiment, sans trop. Bon, je le remettrai après. Et là, il y a. Ah oui, ça s'ouvre encore comme ça. Ok. Et là, il y a le deuxième vinyle aussi. Ah ouais, d'accord. Il y a deux vinyles, ok. Alors je laisse comme ça le deuxième vinyle au cas où. Et je vais quand même vous montrer parce que ça s'ouvre. Ah ouais, quand même, c'est magnifique. Alors je vais essayer de vous montrer. Là, comme ça. Franchement, c'est magnifique. Alors plutôt comme ça. C'est vraiment magnifique. J'espère que vous voyez bien comme moi. Mais c'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Donc, voilà. Ça, c'est bon. Alors, ouais, 32 euros. Pour Pontarlier, c'est fini. Et en rentrant, j'ai fait un petit tour à la Fnac à Yverdon. C'était à 10 minutes de chez moi. C'était à peu près sur le chemin. Je me suis dit, au cas où, s'il y a des nouveaux trucs. Et j'ai bien fait de y aller. J'ai pu trouver le Mato Anomaly. Sur PlayStation 5, super content. Yes. Pour 10 euros, excellent. Franchement, excellent. Bon, c'est une version anglais. Mais bon, il y a le français. Alors, disons que dans le jeu, c'est sous-titré en français. Bon, après, voilà. Bon. On verra bien. Pour l'instant, je le garde. Alors, de base, il était à 40 euros. Et puis là, juste 10 euros. C'est magnifique. Ça, je vais y jouer. Donc, on va tout de suite l'ouvrir. Et puis, je vais vous montrer qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, le jeu, évidemment. Alors, c'est un JRPG. C'est une boîte chinoise qui l'a fait. Apparemment, ça se passe dans Shanghai futuriste, d'après ce que j'ai entendu. Tu peux incarner deux personnages différents, apparemment. Trois, peut-être. Trois. Deux ou trois. Mais, voilà. Et puis il y a un artbook. Voilà. Ah ouais, c'est beau. Franchement, c'est beau. Ah ouais, je suis tombé pile dessus, mais. J'espère que vous voyez bien. Franchement, c'est magnifique. Ah, les dessins sont beaux. C'est un vrai. Franchement, voilà, les personnages, certains personnages. Ah, classe. Classe, classe. Très classe. Ah, j'adore. Je suis fan. Je suis fan. Tac, tac. C'est joli, c'est joli. C'est très joli. Donc, voilà. Super content pour 10 euros, là. Yes.
Et il y avait aussi... Bon, je rangerai ça, tout ça après, évidemment. Alors, il y avait ce jeu, il y avait aussi un autre jeu. Il n'y avait rien qui était marqué dessus. Et puis, j'ai demandé à la caisse s'il y avait une réduc, vu qu'il était dans le bac des soldes. Et oui, il y avait une réduc à, disons, à plus que la moitié, à 60, plus de 50%. Parce que le jeu de base, il était à 50 euros et il m'a coûté 20 euros. Super content. C'est le Yomayari, si je prononce bien, sur Switch. The Lost in the Dark. Alors, d'après ce que j'ai compris, c'est le troisième épisode. Je sais qu'il est aussi sorti sur PlayStation 4. Alors, je vous mettrai de toute façon les images. Là, il est sur Switch. Super content de l'avoir trouvé, surtout à ce prix-là. Petit jeu d'aventure un peu sombre parce que d'après ce que j'ai vu, tu incarnes un personnage tout mignon, tout mimi, mais qui parcourt un peu dans les chemins un peu sombres. Graphiquement, il a l'air magnifique. C'est très, très, très bon. Voilà. Alors, ouais, 50 euros, il était à 20 euros. Super content. Et puis, c'était le seul. Donc, voilà. Avant la fin, voilà les figurines montées. Bon, celle-ci, j'ai pas grand-chose à monter parce qu'elle était déjà comme ça. Franchement, elles sont magnifiques. Moi, j'aime bien. Voilà. Elle est classe, celle-ci. Franchement, elle est classe. Yes. Et la plus belle, c'est vraiment celle-ci. Voilà. Bon, voilà. Et voilà, c'est terminé. Alors, j'espère que ça vous a plu. Le plus important, prenez soin de vous. Et je vous fais plein de bisous. Bye, bye.